au cap d'Arc de deuxième journée du tournoi d'exhibition Canada. Tennis au Cap d'Agde, la quatrième soirée a débuté par une rencontre à sensation McEnroe-Noah. Voici quelques images de cette rencontre. John McEnroe, qui, je le rappelle, est classé deuxième joueur mondial, premier joueur américain bien sûr. Quant à Yannick Noah, il est 12e au classement international ATP et c'est bien sûr le premier français. Joli lob de Yannick Noah, balle dans le filet, et nous approchons de la fin alors que John McEnroe fait un peu le clown ici, le clown. Et regardez cette reprise de Yannick Noah, beaucoup plus agressive, nous l'avons dit, hier soir, aux arènes du Cap d'Agde. Voilà, c'était la balle de match, deux grands champions. Malgré tout. Victoire de Chris Evert donc sur l'italienne Raffaella Ricci. Du côté donc du Cap d'Agde pour suivre quelques images de cette finale avec Steffi Graf donc ici. Sanchez a participé à toutes les éditions. Navratilova était finaliste en 87 et victorieuse en 88. Martina, 37 ans, troisième joueuse mondiale, gagnante de 166 tournois, n'a pas pesé lourd cet après-midi devant la numéro 2 mondiale, la catalane Arantxa. L'américaine Navratilova, 167 tournois gagnés au Grand Prix, un record. Et la française Marie Pierce, la jeune fille qui monte. Classée 5e mondiale, elle vient de briller au Masters après avoir été finaliste à Roland-Garros. Hier, Marie avait battu la tchèque Higgins en 2-7. Martina, 38 ans, qui fait ses adieux à la compétition, a livré une belle bataille, résistant aux coups dévastateurs de Marie. Victorieuse l'année dernière de Pierce en finale, Arantxa, numéro 3 mondial, sera encore la grande favorite d'un tournoi devenu traditionnel et qui a révélé de nombreux talents, dont Monica Seles. Martina Hingis, 15 ans depuis le mois de septembre dernier, sans nul doute la numéro 1 mondiale de l'an 2000. Cet après-midi, elle a enlevé son premier tournoi pro de la saison